A sua presença. C'est une grande joie d'être ici ce matin pour bénir le mariage de nos enfants. Nous remercions le Seigneur pour la grâce de les avoir conduits jusqu'ici. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je voudrais parler des trois étapes importantes du mariage. Les trois étapes très importantes dans le mariage. Scientifiquement prouvé. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi le mariage chrétien doit être ce que cela doit être. Lorsqu'on commence par penser au mariage, la première des choses qui arrivent, souvent à tout le monde, et que j'appelle la première étape, cela s'appelle l'étape de la passion. L'étape de la passion, il y a quelque chose qui saisit l'individu. Et il a la passion. Il a la haine, même l'obsession. Parce que Robert a vu un jour cette petite fille. Et a été intéressé. Et quand on commence le chassage, on commence par la passion. On veut la voir. On veut rester avec elle. Et c'est ce qui arrive à tout le monde. Et ça, c'est ce que Dieu a fait de chacun de nous en tant qu'homme organiquement fait. Biologiquement construit. Quand on regarde la biologie, l'anatomie de l'homme, l'homme, quand il voit la femme, il a la passion. Pourquoi? Parce qu'il y a une hormone. Il y a une substance chimique. Qui est sécrété dans l'homme, qui fait que quand il voit la femme, il a le désir, il a la passion. Vous savez, en tant que des hommes, il y a des hommes qui sont en nous, que Dieu a fabriqué en nous. Il y a des substances chimiques que Dieu a mis dans nous. Et qui fait que la femme nous attire. Quand ça arrive à cette étape-là, qui est la première étape, l'homme est possédé par un désir. Il veut toujours voir la femme. Il veut toujours être avec elle. C'est la phénylétylamine qui agit. C'est biologique, c'est anatomique. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'amour qui fonde le foyer, ça. Et on parle de l'amour éros, l'amour érotique, l'amour
Et les gens commencent à voir
Des choses ne commencent pas à se perdre. Ma belle-mère, tu as beau sortir. Et à l'étape de la différenciation. Robot, si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par appeler tes parents. Et la femme également va commencer par parler. Oh oui, maman. Non, le type là, je ne comprends pas. C'est ça va dire tel comme ça. À cette étape, beaucoup de foyers connaissent des difficultés. Beaucoup de foyers connaissent des difficultés. Et il y en a même qui cherchent même à rompre le mariage. Là, il ne faut jamais faire cela. Et cette troisième étape, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'étape du rapprochement volontaire. Tu prends maintenant celle-là où la parole de Dieu intervient. L'étape du rapprochement volontaire. C'est ce que le frère Zach a l'habitude d'appeler l'étape de en dépit de. En dépit de. Quel que soit ce qu'il y a, j'ai décidé de t'aimer et je vais t'aimer. L'étape en dépit de. Et c'est ça que Paul a bien signé dans Ephésiens le chapitre 5. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 22, Paul a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est un commandement. Le vrai mariage est un commandement. Le vrai amour dans le mariage est un commandement. Ce n'est plus ce que l'on sent dans la chair. La beauté, la Bible a dit, est belle. Et les désirs qu'on a dans la chair, avec le temps, vont finir. Vous aurez quitté cette étape où vous êtes maintenant, l'étape de la passion. Vous allez arriver à l'étape de la différenciation. Ça arrive à tous les couples. Ça arrive à toutes les relations d'amour. Et maintenant, vous tomberez dans la troisième étape qui est la vraie étape du mariage. L'étape où on se dit, j'ai décidé de l'aimer, je l'aimerai. J'ai décidé de me soumettre, je me soumettrai. La soumission devient volontaire. En obéissance à la parole de Dieu. L'amour devient une affaire volontaire. En obéissance à la parole de Dieu. Et c'est en obéissant à Dieu. Parce que un chrétien né de nouveau doit obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit au mari au verset 27. Marie, soyez aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement. Un commandement du Seigneur. Et un homme marié doit aimer sa femme. C'est un commandement. C'est un impératif catégorique. Un impératif catégorique. Ce n'est plus l'amour conditionnel. Elle me prépare la nourriture, c'est pourquoi je vais la marier. Je vais l'aimer. C'est parce qu'elle me met l'eau dans la douche, je vais l'aimer. Elle fait ci, elle fait ça, c'est pourquoi. Non, c'est pas ça.
l'amour volontaire était l'amour obligatoire. C'est pourquoi Paul dit, c'est ainsi que les hommes doivent aimer leurs femmes. Il y a ici le verbe devoir. Pour la femme, la soumission est un devoir. Pour l'homme, l'amour est un devoir. Et c'est à ce niveau-là, quand vous ne commencez pas à faire cela, il y a une hormone qu'on appelle l'ocytocine qui sera sécrétée en vous pour vous garder ensemble. Notre Dieu est un Dieu de science, un Dieu intelligent. Si nous lui obéissons, il fait sécréter les choses normales dans notre vie. C'est l'ocytocine qui lui nie le mariage. Mais cette hormone ne vient qu'au moment où l'homme décide d'aimer sa femme. L'homme décide d'aimer sa femme. Et la femme décide d'obéir à son mari. Quand c'est comme ça, l'ocytocine sera sécrétée. Et votre foyer sera un foyer heureux. Alléluia. Amen. Vous devez avoir Jésus comme l'élément central, la personne centrale dans votre mariage. Le Seigneur Jésus doit être au centre de votre foyer. Et vous devez lui obéir. Si la sœur obéit à Dieu, elle sera soumise à son mari. Si l'homme obéit à Dieu, il va aimer sa femme. C'est dans l'obéissance. Restant sous l'autorité de Dieu, c'est dans l'obéissance que le foyer se tient. Et même tous les foyers qui sont ici, si un foyer a des problèmes, c'est parce que quelqu'un commence à désobéir quelque part. Quelqu'un commence à désobéir à la parole de Dieu. Si la femme commence à désobéir à la parole de Dieu, le foyer va trembler. Et si l'homme commence à désobéir à la parole de Dieu, le foyer va également trembler. C'est très très important. N'oubliez pas, la première étape, provoquez pas la famille l'examine. Vous allez rentrer dans la deuxième étape. Vous allez commencer à voir les différences. Allez en même temps la troisième étape. Où l'amour devient l'amour volontaire. Où la soumission devient volontaire. Alléluia. Et si vous obéissez à Dieu, et si vous marchez sur le principe biblique, votre foyer sera heureux. Dieu vous bénira. Vous allez jouir vraiment du mariage. Et vous serez des exemples pour d'autres dieux. Et le Seigneur lui-même sera avec vous. Vous allez faire 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Et vous serez encore plus heureux. L'amour est dans votre mariage à cause de Dieu. À cause de Dieu. À cause de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Par conséquent, j'aime ma femme et je l'aimerai en dépit de toute chose. C'est l'amour manu militari. L'amour comme un devoir. Et de la même manière, c'est la soumission manu militari. La soumission en obéissance à la parole de Dieu. Parce que nous regardons Jésus. Nous levons nos yeux vers le ciel. C'est là où nous allons. Et le mariage, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu va vous utiliser.
utiliser pour son œuvre. Dieu va vous utiliser. Vous êtes une bénédiction pour l'église. Vous êtes une bénédiction pour vos familles. Vous êtes une bénédiction pour la nation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que ces paroles vous suivent. Partout vous passerez. Que ces paroles vous suivent. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, merci parce que je sais que, Seigneur, tu es un Dieu de bonté sans pareil. C'est toi qui as voulu que, Seigneur, ce jeune homme et cette jeune fille se mettent ensemble pour t'obéir, Seigneur de gloire. Je te remercie pour cette parole. Et je prie que cette parole puisse travailler dans leur cœur, dans leur vie, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. C'est votre message.